Au Palais des Sports, le Canada rencontre la Suisse pour disputer le championnat du monde de hockey sur glace. Devant un public enthousiaste, le Canada bat la Suisse par 5 buts à 1 et s'adjuge le titre de champion du monde. À New York vient de s'ouvrir la nouvelle session de l'Organisation des Nations Unies. Devant les délégations au grand complet, les premiers orateurs inscrits ont pris la parole et se sont contentés de faire un tour d'horizon des problèmes actuels. En Indochine, après l'accalmie de ces dernières semaines, les combats ont repris dans le delta tonkinois. Au cours de l'opération baptisée Cacahuète qui vient de se dérouler dans l'ouest du delta, des éléments franco-vietnamiens ont repris possession d'une large portion de territoire restée jusque-là entre les mains des rebelles. À partir du village de Luc Dao, où nos troupes sont réinstallées depuis peu, les forces de l'Union française, pénétrant comme un fer de lance jusqu'au cœur du dispositif ennemi, ont complètement désorganisé les arrières de l'adversaire, coupant ses principales voies de ravitaillement et détruisant de nombreux entrepôts. Dans une déclaration faite devant la presse internationale, un porte-parole de l'état-major a manifesté la satisfaction du haut commandement devant la parfaite réussite d'une telle entreprise et a souligné la brillante tenue des troupes engagées dans cette opération. Ils ont un message pour vous. C'est tout chaud dans leur gorge. Ça sent la poudre, le cuir humide, la pipe froide, le caoutchouc brûlé et le brouillard de rizière. Ça sent le sang aussi. Personne ne les a jamais écoutés. Leur guerre couvrait leur gueule. Leur voix était si faible dans le concert des autres. Et à 12 000 km, allez donc vous faire entendre. Pourtant, il y en avait 200 000 qui avaient tous quelque chose à dire. Sans compter ceux qui ne pouvaient plus rien dire. Ils étaient partis vers de lointains rivages, si lointains que la vie d'un homme ne suffit pas pour en revenir. Et puis, c'était des enfants. Il n'y a que des enfants pour faire la guerre. Du simple soldat au général, que des enfants. Comment voulez-vous faire la guerre avec autre chose que des enfants? Les hommes font des affaires, ce sont des hommes d'affaires. Les femmes font de la couture, de la cuisine, les belles, l'amour et des enfants. Et les enfants font la guerre. Les enfants sont les vrais, les purs, les seuls idéalistes. Car ils sont la naïveté. On leur avait dit un jour, les gosses, allez donc jouer dehors, il fait beau. Et on leur avait donné un bout de terrain, le plus loin possible de la maison, pour éviter de faire du bruit et de casser les carreaux. Et ils pouvaient se battre comme des chiffonniers, jouer à des jeux de main, des jeux de vilains, jouer à la guerre. Fermez votre porte au bruit de la rue. Les enfants ont quelque chose à vous dire. Allez, roulez ! Embarquez ! Tout le monde dans les bahuts ! Moteur en route ! Allez, viens sur moi ! À gauche, là, viens. Sur moi, tous. Allez, vas-y, papa. N'aie pas peur. Tout droit maintenant, tout droit. Allez, viens. D'accord, suivant. T'en fais pas, Genot. T'arriveras quand même à Luc Dao. C'était ce type que vous voyez engager un chargeur dans sa carabine. Lieutenant. Lieutenant Perrin, c'était moi. Un enfant comme les autres qui avait appris dans une école militaire à parler aux enfants. 40 gosses sous mes ordres. Quel pensionnat.
Notre poste, c'était cette bâtisse que l'on aperçoit là-bas. Pas jolie, jolie, notre pied-à-terre. Cette maisonnette perdue dans la brousse, une seule chose la reliait au monde des hommes, la route. Jamais route de la terre n'eût mené pour nous plus loin que cette petite départementale qui nous apportait de quoi entretenir nos armes, nos ventres, nos espoirs et nos illusions. Nous étions nouveaux dans cette région et les paysans du monde entier n'aiment pas les gens qui s'installent sur leur terre sans crier gare et qui parcourent leurs champs et leurs forêts sous prétexte de jouer aux gendarmes. Celui-là, c'est une Guyenne, le pêcheur. Si vous connaissez le langage des taciturnes, essayez donc de lire entre ses paupières fendillées comme une tirelire. Même le soleil n'y est pas encore parvenu. Ce matin donc, comme on va chercher un ami à la gare, nous allions sur la route à la rencontre du convoi. Garce de route. Elle nous jouait bien des misères à coucher toutes les nuits comme une fille publique avec ceux qui nous en voulaient. Le matin venu, il fallait pas à pas la débarrasser de tous ses parasites. Et c'était une rude affaire. Un travail de pédicure. Halte ! À l'autre bout du champ de boue et de poussière, une procession d'un autre genre s'avançait à notre rencontre sur le tronçon de route déjà débarbouillé. Au kilomètre 32, à la limite des deux provinces qu'avait lieu chaque matin nos retrouvailles. Terminé. La route est ouverte jusqu'à la tour de Godfrey de Trongaï, mon lieutenant. Lutao, le signal n'a pas ouvert le dernier tronçon. Non, mais tu te rends compte? Pour un peu, je mettais le pied dessus. Pied gauche, ça va de bonheur. T'aurais une lettre tout à l'heure que ça m'étonnerait pas. Appelez-moi Ardouin. Disparaissez dans la rizière, dégagez derrière la digue. Je ne vois personne sur la route. Ardouin! 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 Allô, Ardouin, ça va? Il y a un os, mon lieutenant. Je peux pas arriver à piger. C'est la première fois que je vois un truc pareil. J'aimais Ardouin. Il avait le courage pudique. Tout n'était que silence dans son commerce avec autrui. Sans doute avait-il appris ce silence au contact de ces engins mystérieux, au bruit de tonnerre. C'était un fils de gueule noire, il avait l'habitude de fouiller la terre comme un explorateur, un chercheur de diamants, un chercheur de villes mortes.
Salut, petite tête de chef. Il n'y a rien à boire dans ta garçonnière. Demande-le au BEP, il est derrière. Bonjour, Blanchet. Vous avez bien mauvaise mine. Ça ne dort pas souvent en ce moment. Essayez ton gardénal, mon vieux. Ici Chanterelle, j'appelle Chacal. Chacal de Chanterelle. Route grande ouverte, m'avez-vous compris? Répondez. Bien compris. Je transmets votre message. Terminé. Hé, hey, Jeannin, viens ici, grouille-toi. En minute, tu permets, on n'est pas aux pièces, non? Viens, va porter ça au lieutenant. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils arrivent. Et au kilomètre 24, il y a eu un petit peu de casse. Ça saute et puis après ça se rebouche. Sur la route, il y a des mines tous les jours, comme autant de bouches d'égout sur les trottoirs de Paris pour les passants distraits. Risque de promeneur. Si ce message m'avait rappelé la guerre, il ne m'avait pas inquiété outre mesure. Par contre, le silence de Blanchet m'inquiétait. Je ne l'avais jamais si peu entendu parler. À peine avait-il prononcé deux mots pendant le repas. Voulez-vous encore un peu de riz? Des banalités qui n'allaient pas bien avec sa voix. Qu'est-ce qui ne va pas, Blanchet? Rien, mon lieutenant. Ça va. Il s'était finalement décidé à me raconter son histoire. L'incident avait eu lieu là-bas, dans les défenses, entre les deux lisses de bambou. Cela datait d'hier soir. Il me montra l'endroit exact où il avait trouvé planté un drapeau rouge à étoiles jaunes. Le drapeau Viet Minh. Dans ses yeux, dans sa voix, le drapeau flottait encore. Vous comprenez maintenant, mon lieutenant, m'avait-il dit. Oui, j'avais compris. Je connaissais trop la signification de cette découverte pour ne pas comprendre la crainte de Blanchet, son angoisse, sa peur. De nombreux postes comme le sien étaient tombés deux ou trois jours après un tel avertissement. Et Blanchet était seul avec ses partisans. Sur la route. Il y a un bahut qui a sauté. Il y a un mec de blessé. Il devait rentrer en France. C'est moche. Ah, ce qui est plus moche, c'est que votre pinard était dans le bahut. Merde. Tout le monde dans les bahuts. Embarquez. Embarquez.
Je laissais Blanchet plus seul que jamais avec son angoisse, sa peur, et quelques mots lâches de ma part en signe d'adieu, comme le petit verre de rhum. Mais non, Blanchet, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de raison de se faire du mauvais sang, allez. Quel métier. Planté là comme une borne kilométrique, il me regardait comme si c'était moi qui allais partir à jamais. Et nous reprîmes le chemin de la maison. En camion, c'est quand même moins fatigant. C'est le nouveau qu'il a. Ah, ah les vaches, ils ont piqué le courrier. Hey, courrier. Et la dernière? Ah, tu permets, oui, c'est pour moi. Au revoir, les gars. À la prochaine. Allez, viens, rentrons. Bien fait. Bien, mets-toi là. Alors, il n'y a pas de Pinard ce soir? Bah, il était dans le bahut qui a sauté. Pas vrai, Geno? Merde. Dis donc, machin, c'est ma place ici. Fous-lui la paix, il en a assez vu aujourd'hui. Il y a de la place ailleurs. Eh ben, c'est pas trop tôt. Maintenant, mon lieutenant. Oui, Blanchet, j'avais compris. J'avais trop compris. J'aurais pu vous ordonner de nous suivre, d'abandonner la tour de Tuangai et vos partisans. Vous auriez poussé un grand soupir de soulagement. Vous m'auriez remercié pour le sursis dont je vous gratifiais. Et je n'aurais pas été bouffé par leur mort comme par les moustiques toute une nuit durant. Mais la tour de Tuangai, Blanchet, et la population sous sa protection. On peut abandonner un poste comme ça, en pleine guerre? J'aurais eu le droit, moi, de vous donner un tel ordre, même en cas de danger? En cas de mort? Vous m'en vouliez, Blanchet. Vous pensiez que votre vie valait mieux qu'une note de service sur papier plure, qu'une tête d'épingle sur une carte d'état-major. Dans sa tour, tout seul avec ses partisans, le sergent-chef Blanchet se préparait à traverser la nuit comme une maladie dont on revient rarement. Allô, allô, oui, c'est ton ni, ai, pop, 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 rồi về tranh đấu với chúng tôi,
abandonné les Français. Venez combattre avec nous. Sergent-chef Blanchet, rendez-vous, rendez-vous. Allô, allô, Hey, bonsoir. Sergent-chef Blanchet, voulez-vous revoir famille pour vous, petite femme? Ta gueule! Sergent-chef Blanchet, rendez-vous, rendez-vous! Allô, Frisé? Tu sors des bras de ta belle, bien compris, répondez! Bien compris. Bon, eh ben, sortez pinceau. Alors, tu as fini de la coincer, ta bulle. Allez, au cul. Alors, Kim, tu te réveilles, oui? Il est 7 heures. Allez, debout. Allô, Tiongai, 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 ici Chanterelle, j'appelle Tiongai, Tiongai, de Chanterelle, répondez. Debout les gars, au jus là-dedans. Oh les vaches. Oh bah qu'est-ce qu'ils m'ont foutu là? Oh bah, hé, hé, bah qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Oh, hé, hey, bande de salopards, va bah. Hé, hey, dis donc, bah, y'en a pas un qui viendra m'aider ici? Hé, hey, bande de salopards, oh, oh, hé, oh, les bibles l'ont attaché. Hé les gars, oh, hé, hey, et le mon jus? Ah, vous n'allez pas me boire mon jus? Hé, hé, dis donc, vous pouvez, hé, hey, bah venez m'aider, quoi. Vous n'allez pas boire mon jus sans moi? Salopards, vous me le paierez, vous me le paierez. Allô, Tiongai, allô, Tiongai, ici Chanterelle, je ne vous reçois pas, je ne vous reçois pas, me recevez-vous? Répondez. Bonjour, président. Va chercher le lieutenant, Tiongai ne répond pas. Allô, Tiongai, allô, Tiongai, ici Chanterelle, ici Chanterelle, ici Chanterelle, je ne vous reçois pas, je ne vous reçois pas, répondez. Tiongai ne répond pas, mon lieutenant, le radio vous demande. Bon, j'y vais. Allô, Tiongai, Tiongai, ici Chanterelle, ici Chanterelle, répondez. Allô, Tiongai, Tiongai, ici Chanterelle. Ça fait combien ici de temps qu'il appelle? Au moins un quart d'heure, mon lieutenant. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Allô, Tiongai, ici Chanterelle, ici Chanterelle. Allô, Blanchet, c'est le lieutenant qui vous parle, lieutenant Perrin. Allô, Blanchet, répondez. Mon lieutenant, ça doit pas gazer là-bas. Continue tes appels sans t'arrêter, je rassemble une patrouille. Garde-vous! Section assemblée, 5 hommes en service, manque personne. Ici Chanterelle, allô, Chanterelle, j'appelle Tiongai, j'appelle Tiongai. Attention pour les couleurs, envoyez. Allô, ici Chanterelle, ici Chanterelle. J'appelle Tiongai, j'appelle Tiongai, répondez. Reposez. Repos. Qui est d'alerte aujourd'hui? Troisième groupe, mon lieutenant. Renforcez-le avec des éléments du premier, puis rassemblement dans 5 minutes en tenue de combat et en casque. Rassemblement dans 5 minutes. Rompez. Et que ça saute. Eh, va, ne gêne pas. Et on se barre en patrouille.
Alors Girard, mon vieux, presse-toi. Ici Chanterelle, ici Chanterelle, j'appelle Tiongai, j'appelle Tiongai, me recevez-vous? J'appelle Tiongai, j'appelle Tiongai, me recevez-vous? Répondez. Oh merde, y a rien à foutre. Allons, pressons. Pressons. On y va. Ouais, ça va. Alors Girard, dépêche-toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tape le carton? Si on veut. Oui, on peut y aller d'une petite balotte. Oh, tu fais le quatrième? Eh, d'accord, mais vous venez dans ma piole alors. Oh, ce beau! Élever Luchon et maître. Oh, dis donc, avec un jeu pareil, moi je surveillerai ma femme. Épique, maître. Tu permets? Oh non! T'as pas fourni sur mon as. Oh. Non, moi je joue plus. Oh, si on peut même plus tricher alors. Oh. Chansonnette appelle Chanterelle. Ici Chansonnette, nous sommes à Tuangai. Rien ne bouge. On dirait qu'il n'y a plus un chat dans la baraque. Le Pacha envoie Girard, Ardouin et Didier en reconnaissance. Tout ce qui reste. Quelques hommes et va dire au curé de Curlian de venir. Mais il est en zone rebelle, mon lieutenant, il ne viendra pas. Oui, il viendra. S'il ne veut rien savoir, débrouille-toi pour me l'amener quand même. Il y a un copain enterré. C'est pas tout. En passant, Luc Dao convoque tous les notables. Je vais les voir cet après-midi. En attendant, dis-leur de trouver un cercueil. Ce qu'il y a de plus beau dans le genre, parce que cette caisse de mortier. Prends contact avec le bataillon, je vais te donner un message. Ta place. Vas-y, elle est libre. Oui, Blanchet. Oui, Girard, c'était ma faute, tout ça, n'est-ce pas? Vous êtes mort à 20 ans, Girard. Mais de quelle petite vie vous seriez-vous prévalu, emporté par une rougeole ou un rhume de cerveau? Et vous, Blanchet, quel souvenir nous auriez-vous laissé? Quel souvenir incolore, sans chaleur? Les héros, ça sert à rien après, disiez-vous, vous vous souvenez? Ça sert à colorer les souvenirs, à les réchauffer. Ça
Ça sert à faire pleurer les copains quand le vin est triste et qu'il manque un verre à table. Entrez. Le curé est arrivé, mon lieutenant. J'ai transmis le message. Le commandant fera une liaison dans l'après-midi. Je vous remercie d'être venu, mon père. C'était un chrétien et un bon soldat. Bien. Garde d'honneur! Dégagez! Remettez! Hey! Tu coucheras à côté de nous, Girard. On a simplement déplacé ton lit un peu sur la gauche. Les héros, ça sert à rien après. Qu'à porter en terre pour oublier leur nom. Girard faisait des pâtés de boue qu'il nommait château. Ces châteaux lui tiendront lieu de sépulture et sa croix de carte de visite. Le commandant venait de loin. Il appartenait au monde de ces hommes qui obtiennent la lumière en appuyant sur un bouton et boivent des boîtes de bière givrées comme des vitres de décembre. Au début, j'eus très peur qu'il ne me comprît pas. Mais il se mit très vite à notre portée et enregistra mes paroles avec intelligence. Nous examinâmes la situation en détail. Certains villages n'étaient pas encore ralliés, des coins à se faire trancher la gorge dès qu'on y montrait l'oreille. Quant à Luc Dao, il avait beau se trouver près du poste, il n'en restait pas moins sur l'expectative. Observer notre réaction. La population nous fuyait, désertait la rizière. Plus un chat aussitôt que nous apparaissions. Impossible de percer les intentions de ces gens. Une méfiance de paysans. Nous vivions à la merci de leur moindre mauvais tour. En effet, il faut associer la population à la cause que nous défendons. À tout bien peser, mon commandant, je crois que la suggestion du sergent Magnan pour la formation d'un commando avec des paysans et des villageois reste encore la meilleure. D'accord, mais comment prendre tout ce personnel en compte? À la rigueur, je peux l'habiller. Mais comment l'encadrer? Mais si vous le permettez, mon commandant, je crois que nous pouvons faire confiance à Magnan. Il était chez les supplétifs lors de son premier séjour. Cette expérience est à la hauteur de ses capacités et de sa volonté. Quant à l'encadrement, on le trouvera sur place. J'ai ce qu'il faut ici. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les notables de Luc Dao, mon commandant. Je les ai fait venir pour obtenir leur aliment. Vous avez ma confiance. Je vous donne carte blanche. Je suis avec vous, mon vieux. Allez, démarre, en route, mon commandant. Je vous ai convoqué pour vous dire que tout village qui ne sera pas rallié dans 24 heures sera considéré par moi comme village rebelle. Vous préviendrez tous ceux qui n'ont pas daigné se faire représenter. En gage de votre ralliement, vous fournirez des bambous, des coulis. Et vous ouvrirez un marché. Les notables de Luc Dao étaient des hommes de parole. Le lendemain, ils nous envoyèrent 300 coulis qui se mirent aussitôt au travail. Parmi les plus jeunes et les plus décidés, Magnan choisit ses hommes. Et toi, comment t'appelles-tu? Tantanki. Avec des cheveux de cette longueur, on se fait des croche-pieds, c'est dangereux. Les petits garçons, on n'est pas là pour apprendre le piano sur la méthode rose. Ou pour vous faire retirer les pinceaux au soleil. Demain, vous serez des soldats. Sergent, ça vous dit, pinceau, birnamien, pas connaître. J'avais accepté l'invitation du chef de village et je me rendais chez lui. Ce mode de locomotion ne me déplut pas. Cela me rappela mon voyage de noces à Venise. Bonjour, monsieur Niak. Rentrez dans ma demeure. Je vous prie. Monsieur le lieutenant, je suis très heureux de vous recevoir dans ma demeure.
Vous fumez? Je vous remercie de votre accueil, monsieur le chef de village. J'aime beaucoup l'hospitalité vietnamienne. D'ailleurs, elle est très voisine de la nôtre. Mais venons-en au fait, monsieur Nyok. Ben. Luc Dao se rallie. Vous nous avez fourni des bambous? Bien. Des coulis? Ce vieux matou aux trois poils sous le menton n'était pas bête. Il voulait la paix pour son village. Je venais la lui apporter. Ou plutôt, lui proposer de m'aider à la lui apporter. Le village manquait d'école. Nous en construirions une. L'hygiène faisait défaut. Nous bâtirions un dispensaire. Trois enfants s'étaient noyés en empruntant le pont de singe, nous lancerions un pont, un vrai pont. Quel symbole allait représenter ce pont lancé entre nous et son village? Il se chargerait lui-même d'ouvrir un marché. Nous assurerions la sécurité de toutes ses entreprises. Il me fit visiter son village. Monsieur Nyok aimait les détails, j'eus droit à toutes les explications. Pour la première fois, je me promenais, seul Européen, sans être armé dans un village vietnamien. J'étais tout heureux en me séparant du vieux Nyok tout en singeant ses salamalecs. Mon gondolier attendait sur la rive. Je revins ce soir-là vers le poste avec l'impression un peu risible d'être passé dans la peau de quelques grands seigneurs. Bujo, Liu Tei, par l'épée et par la charrue. L'entraînement du commando se passa rudement. Il s'agissait de faire vite, le temps travaillé contre nous. Allez. Magnan leur apprit comment conjuguer le verbe tuer sous toutes ses formes et avec tous ses compléments. Bravo les gars, je crois qu'on va pouvoir y aller. Alors, tu viens de balader avec nous ce soir? Où ça? Quoi, tu sais pas? En patrouille? C'est la première sortie du commando. Manu a demandé 7 volontaires. Tu parles si j'ai sauté là-dessus? Et puis nos potes ont l'air d'en vouloir, hein? Ils trouveraient du Viet que ça m'étonnerait pas. Espèce mal blanchie, t'aurais quand même pu laisser un peu flotte dans ce tonneau. Tu traceras ce soir dans la rivière. En attendant, chante un peu, tu feras pleuvoir. Ainsi, le commando fut créé. À partir de ce jour-là, notre vie allait devenir empoignante, passionnante. Chaque matin, on se sentait un peu plus le sang romain dans les veines. Du sang et de la sueur de bâtisseur. Cette nuit, comme on étrenne la robe de son premier bal, le commando s'est lancé vers sa première aventure. Il allait rentrer vainqueur. Comme ça. Non, de trop. Voilà. Mes enfants, répétez avec moi. Nos ancêtres, les Gaulois, avaient les cheveux
blanc. Et les yeux bleus. Ils avaient de grandes moustaches. Non, mon lieutenant. Viens voir. Il fallait que je mette les choses au point. L'affaire était épineuse. On ne m'avait pas appris cela, Saint-Cyr. Je lui expliquais que les Gaulois n'avaient pas les cheveux blonds, qu'ils n'avaient pas non plus de moustaches, ou que, du moins, tout ceci était si vieux qu'il ne valait plus la peine d'en parler. Bref, je lui conseillais de fiche la paix aux ancêtres et de s'inquiéter un peu plus des 26 lettres de l'alphabet. Le village s'était habitué à voir ses fils en uniforme, les enfants surtout. Les enfants aiment les soldats qui passent parce qu'ils portent en eux leur enthousiasme, leur somme d'aventure à venir. Combien de fois avons-nous vu partir ces petits hommes armés de longs fusils? Magnan avait su les façonner, il en avait fait de parfaits guerrieros. Nos hommes les avaient adoptés, leurs compagnons de jeu, de joie, de misère. Une fraternité était née entre eux, des frères de guerre. Aujourd'hui, le commando devait rechercher l'effet de surprise. Dans ce pays, c'est un effet dur à obtenir. Il est très surprenant de bien surprendre. Il faut beaucoup de discrétion avant de commencer et beaucoup de savoir-faire pour finir. Allez, fouillez les cagnards! C'est bon. Vong, tu t'occuperas du gazier qui joue au voyeur devant la porte. Et surtout, lève les pieds!
Fire away. Partner. Pas de nouvelles de Magnan? Non, mon lieutenant, mais ils ont dû être accrochés. On a entendu tirer dans la matinée et tout à l'heure encore une explosion. Mais je pense qu'avec Magnan, il n'y a rien à craindre. Et ce dispensaire, Didier, quand est-ce qu'on le termine? Encore 3 mètres de paillotte, mon lieutenant. Et demain, ce sera prêt. Combien de fois les verra-t-on venir? Un jour, ils oublieraient de rentrer, j'en étais sûr. Un jouet, ça n'a qu'un temps. À force d'en user, ça se casse. Et les soldats ne sont pas plus soigneux que les enfants. Ils ont des mains exigeantes qui forcent les ressorts, leur demandent trop. Un jour, ils oublieront de rentrer comme ces gosses qui oublient le jour de la rentrée. Ce jour-là, la sécurité du poste deviendra bien précaire. Et nous perdrons peut-être alors sans eux le goût de construire des écoles pour notre seule satisfaction personnelle. Chaque départ et chaque retour du commando me mettait ainsi la mort dans l'âme. Aujourd'hui, jour de liesse au village. On inaugurait en grande pompe les nouvelles constructions. Le pont, le dispensaire, l'école. À cette occasion, les notables avaient revêtu leur lévite du dimanche. Les danseurs allaient comme pour le jour de l'an exécuter la danse du dragon, à la grande joie de la marmaille en vacances. Le commando allait être à l'honneur toute la journée, il le méritait. Le commandant Dufour avait tenu spécialement à faire une liaison pour lui remettre son fanion. Garde d'honneur, arme sur l'épaule, droite, deux pas en avant, marche, plantez, arme, tôi xin biếu cô đóa hoa này. Cảm ơn ông ạ. Dạ không ạ. À nos deux pays. Santé pays. Thank you.
attendais une lettre, Didier. Une lettre d'Eliane, hein? Tu étais sûr qu'elle t'avait écrit ce jour-là? Non, Didier. Eliane était une petite sauteuse. Elle aimait trop la balançoire et pas assez les gars comme toi, qui ont toujours de la mémoire pour deux. Didier? J'arrive. Après son idylle, le commando eut son mariage. Le même curé qui était venu enterrer Girard vint unir Mine et Levan. Je servis de témoin. Le poste fit le cadeau d'une cagnotte toute neuve aux deux conjoints. Levan offrit la tailleur symbolique à son épouse. Ce fut une belle cérémonie. Oui, vraiment. Đến đây, Minh. Em rất đẹp, rất dễ thương quá. Này anh ơi, anh mặc cái áo này vào đi. Cảm ơn em. Ah, laisse tomber, tu sais pas lire. Je regardais la recette du jour. Le feu aux fesses. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis qu'il y a le feu aux fesses. Thank you.
Cette lettre nous annonçait le désir du dernier village de se rallier à nous. À quoi était due cette soumission inattendue? À notre action? Je restais perplexe. Après l'assassinat d'Ardouin, notre situation était loin d'être avantageuse. Après ces événements, rien ne peut inciter les autres villages à se rallier. Soyez prudents, ça peut être un piège. Vous prendrez quelques hommes pour renforcer le commando. Et vous, faites-vous seconder par le caporal Janin. C'est au village de Xuenbok. Đừng giết nó thực truyền lại. Était arrivé. Le commando était anéanti. Ainsi, peu à peu, sans que nous le sachions, la situation s'était détériorée. Maintenant, les plus pessimistes avaient raison. Les Viet étaient jaloux de notre réussite auprès de la population. Ils s'efforçaient de nous rendre la vie dure. Bon travail, Perrin. Le commandant m'a donné une poignée de vin. Le commandant a déjà oublié la poignée d'hommes que nous étions. Le commandant est parti sur la route qui tourne là-bas. Au revoir, mon commandant. Je l'appelle Maton Quinoise. Maton Kiki, Maton Kiki. Qui c'est toi? Ah oui, c'est le petit jeune. Bah, tu sais, moi j'attends le bateau, hein. Mais oui.
Eh ben, le bateau, c'est pas pour toi. Le bateau, c'est pour les héros. Et les héros, c'est moi. Moi, puis Magnan. Magnan, il veut venir avec moi, Magnan. Seulement, alors, tu comprends, il faut boucher tes petits trous, parce que sans ça, tu prendrais l'eau. Puis alors, si tu prends l'eau, là, c'est fini. Voilà, ouf, là. Tout le monde en route, ça y est, ouf. Larguez les hélices, virez les amarres. Et pour le commandant, Ah, ça coule. Ça coule, Magnan. Ça coule, Magnan. Hein? Tu vas pas me quitter, Magnan. Tu vas pas me quitter, Magnan. Bouge pas, Magnan. T'es mon pote. Oui, parce que c'est mon pote, Magnan. Oui, c'est mon pote. C'est mon pote à moi, Magnan. Pas de panique, pas de panique. Les femmes d'abord. Pas de panique. Oh. Alors, la garde, c'est bien. Oui, la garde. Garde. Je suis pas aidé, là. Qu'est-ce qu'appelle comme ça? C'est le gars des premières défenses. Qui c'est qui te garde maintenant? Le petit Malais, je crois. Fais pas le con, c'est pas le moment. Sergent, ils sont là. Qui ça? Vous les entendez pas? T'es comme Jeanne d'Arc. Les crapauds buffles, on les entend plus. Et alors? Oh, puis merde. Bonsoir. Et surtout, ne tire pas sans ordre. Ne tire pas sans ordre. Ne tire pas. Ne tire pas. Ne tire pas. Tire. Rien ce soir-là. Mais le jour qui se lèvera ouvrira bien des yeux. Malais a eu peur, mais cette peur avait ses raisons. Ce que ce pauvre Blanchet avait découvert au petit jour avant de nous quitter, nous l'avons nous aussi trouvé dans nos défenses. Il avait été planté cette nuit à quelques mètres de Malais. Tout le monde savait que la tour de Tuangai était tombée après un tel avertissement. Ils nous prévenaient. Ils étaient sûrs d'eux. Ils s'amusaient avec leur future victime. Ils savaient qu'une fois notre commando détruit, nous n'étions plus qu'un aveugle sans le secours d'un paralytique. Ce signal, ce présage nous avait bouleversés alors que nous étions déjà prêts d'oublier ceux qui avaient oublié de rentrer. Thank you.
Nous n'avions plus une minute à perdre. Il fallait prendre les devants. Nous préparer à subir cette attaque certaine. C'est réjouissant de savoir que le destin nous a couchés sur sa liste noire. Et que quoi que nous fassions, l'heure sonnera bientôt pour la grande valse. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un mortier. Mon œil, c'est plutôt une quadrillée. Laissez tomber, les gars. Viens avec moi, on va voir ce qui se passe. Situation, mon commandant. Ça n'a rien de reluisant. Je suis navré, Perrin, mais nous n'avons pas de groupement mobile sous la main pour le moment. Repliez-vous sur vous-même. Ménagez vos forces. Pas de sortie inutile. Il faut tenir. Si ça va plus mal, nous essaierons de venir vous dégager. Terminé. Tenir? Tenir avec quoi, nom de Dieu? C'était le commencement de la fin. Une lampe à fin de mèche qui baissait. Baissait. Ça ne se voyait pas sur nos visages, non. C'était trop profond. Et puis, les prémices de l'attaque excitaient les hommes. On leur avait promis de l'action et seule cette perspective leur donnait la vie. Le mouvement. Une ambiance de fin d'année. Fini la classe. Bientôt les vacances. On allait changer d'horizon. Oui, on allait connaître les vacances. Les grandes vacances. Au village, les paysans fermaient leurs portes. Ils les claquaient à notre nez. Une manière de se faire bien voir par les vainqueurs de demain. Dans quelques jours, dans quelques heures peut-être, nous fermerions, nous aussi, notre porte sur le monde des hommes. Cloison étanche, prêt pour la plongée. Nous avions tiré l'échelle. Cette échelle que nous avions tendue, comme ce pont que nous avions lancé. Réponds quand t'écris, toi. Oh, je fais ma déclaration d'impôt. Attention à la marche!
amour, qu'as-tu fait de moi, amour, amour, qu'as-tu fait de nous? Deux amoureux fous. C'est fini, oui ou merde? Ah, c'est encore toi qui fais le con. Blanc, ça porte bonheur. Ils avaient les nerfs à fleur de peau. L'attente d'une attaque est une rude école de patience. On n'aime pas bien voir tomber la nuit sur un paysage hostile. Le jour, on voit le bout de ses peines avec le bout de son bras. La nuit, le danger s'agrandit et se rapproche. Une intimité détestable. Le danger est la nuit. La nuit a la couleur de la mort, et la nuit déteint sur nous. J'allais de l'un à l'autre comme si j'avais eu à leur dire adieu. C'étaient de braves gosses qui s'apercevaient seulement maintenant qu'il fallait peut-être avoir un peu plus d'âge pour mieux accepter les sombres aléas de la guerre. Certains s'étaient endormis. Leur regret du jour avait alourdi leurs paupières. D'autres veillaient, comme pour voir ce qui se passe quand tout le monde dort sur la terre. Cette nuit perfide, qui ne voulait montrer d'elle que ces milliers de lucioles, petites étoiles à la portée de nos mains d'enfants. On les entend qui gueulent. Je sais pas ce qui mijote et tire plus. Plus sur le bloc ouest, Morin s'est fait descendre, il est blessé. Enfin, ne gaspillez pas vos munitions, ne tirez que sur mon ordre. Moi, je file à la radio. Sûrement une de ces javas. Nous avons deux morts et deux blessés, ils vont certainement remettre ça. Ils avancent.
risquer d'allonger son tir. Allez, cavale! T'es trop court, allonge ton tir. Tu les bloqueras sur la brèche. Va aux munitions. Allez, mouchés, file au bloc ouest. Cuistot. Cuistot. Oh, je suis pas aidé. Planqué, il recommence à nous pilonner. Oh, un pansement. Ils attaquent les murettes. Dans quelques minutes, ils sont dans le poste. À vous. Ici Chacal. Unité d'intervention par verve. Route truffée de mines. Renforts n'arriveront pas à Luc Daou avant l'aube. Pensez-vous pouvoir tenir? Nous ferons ce que nous pourrons, mon camarade. Ah, ça suffit comme ça. Depuis que j'ai quitté ma nourrice, je suis plus coquet. Je veux pas mourir en beauté. Chacal, ils sont dans le poste, terminé. Chanterelle, Chanterelle, ici Chacal. Ici Chacal. Confiance, premiers éléments en vue de l'île d'avant. Reste pas là, allez, viens. Et...
Thank you.